Bonsoir à tous. Bon, on innove, hein. On est dans la salle cinéma pour notre conseil, parce qu'en bas, il y avait le don du sang. Et donc, on a dû se réfugier dans notre salle cinéma. Bon, c'est pas plus mal. Je tiens au préalable de dire merci à ceux qui ont organisé cette séance filmée, parce que lorsqu'on fait un conseil à huis clos, enfin pas huis clos, en dehors des heures où les gens peuvent venir, on doit le filmer et le retransmettre. Donc voilà, nous sommes dans la légalité. Je vais commencer par faire l'appel. Coël présent. Madame Aubé. Présent. Madame Bruguet. Présent. Monsieur Renard. Présent. Madame Ancelin. Présent. Monsieur Danet. Présent. Madame Sénéchal. Présent. Monsieur Delannoy. Présent. Madame Vancanette, elle arrive, elle dit qu'elle serait un tout petit peu en retard. Madame Desfossés. Présent. Monsieur Barbier. Présent. Madame Machu. Présent. Monsieur Dara. Présent. Monsieur Ricard. Présent. Madame Lelevier a donné son pouvoir à Johan Varin. Monsieur Mariage. Présent. Madame Van Gaver. Présent. Monsieur Tatin. Claire Rouillier a donné son pouvoir à Marie-Jo Aubé. Monsieur Siquela, il va peut-être arriver. Madame Demeyer a donné son pouvoir à Françoise Sénéchal. Monsieur Avis. Madame Aguenis. Monsieur Varin. Madame Dochel. Monsieur Lecomte a donné son pouvoir. Et Madame Lebel. Le quorum étant largement atteint, on va pouvoir démarrer régulièrement notre séance de conseil municipal. Je dois désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires ? Jackie ? Bon, d'accord. Jackie Danier, secrétaire. On a reçu le compte-rendu. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu du 17 décembre ? Est-ce que tout le monde l'a bien reçu et tout le monde l'a eu ? S'il n'y a pas d'observation, je le mets aux voix. On peut le considérer qu'il est, il est admis dans cette rédaction. C'est bon ? OK. Je dois vous dire au préalable, il y a eu quelques décisions qui ont été prises depuis ce conseil municipal. Il y a un avenant qui a été signé avec la SAO, un avenant concernant le sol pour le terrain synthétique. C'était pour les bottelages des arbres et puis pour les petites cavités qui avaient été trouvées, il a fallu les remplir. Ensuite, il y a une passation de contrat pour la mission de maîtrise d'œuvre des travaux du centre-ville, la deuxième phase. On en parlera tout à l'heure à la fin du conseil. Voilà, il y a un contrat pour la mission. C'est Étudis Aménagement. C'est une société qui est basée dans la Somme à Dury, je crois. Et puis, une troisième décision. Avec la SAO pour signer un avenant au marché pour la réalisation des travaux de création du parking rue des Écoles. C'est une petite modification de 1 620 € avec l'entreprise Roussel pour une petite modification qu'il y avait sur le parking rue des Écoles. Voilà les informations sur les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Ça sont les procurations. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Le premier point, c'est une demande de subvention au Fonds de solidarité Olivier Dassault et Olivier Paco, le Fonds pour la défense et le développement de la ruralité. Tous les ans, nous portons une demande de subvention à nos deux parlementaires, Olivier Dassault et Olivier Paco, et ils répondent souvent positivement. Donc, on repose une subvention. Concernant, vous savez, on doit rénover le parcours de santé qui a
déjà vécu un petit peu, mais il faut une petite rénovation. Il y a un devis qui a été fait à 25 756 euros. Et nous faisons une demande de subvention potentielle, après c'est au bon vouloir de notre député, de notre sénateur, de 5 000 euros. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de subvention? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Abstention? Contre? Il n'y en a pas. Ben, notre député doit venir sur le secteur le 8 mars. Ça sera tout frais. Je pourrais lui dire qu'on va lui demander une petite demande de subvention. Ce soir, c'est une soirée demande de subvention. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur vos tablettes, mais c'est une soirée demande. Donc, nous allons faire une demande de subvention à l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, c'est ce qu'on appelle régulièrement la DETR. Nous avons, tous les ans, nous demandons des subventions à l'État et on remercie l'État de nous donner satisfaction sur certains dossiers. Nous allons présenter trois dossiers. Le dossier de la rue de Crèvecœur pour le remplacement de la conduite d'eau. On en a pour un montant de 331 000 euros. La DETR, il y a une assiette, c'est-à-dire que si on dépasse cette assiette qui est à 100 000 euros, les 230 000 qui restent ne sont pas subventionnés. Et donc la subvention, là on connaît les taux, elle peut être de 40%, et donc nous sollicitons 40 000 euros sur ce dossier-là. Aire de jeu, deuxième tranche. Vous avez travaillé pour préparer cette deuxième tranche. Et donc, on a un devis de 70 994 euros. L'assiette est bonne. Et donc, il y a un taux de 30%, ce qui pourrait nous faire 15 000 euros de subvention. Et une alarme anti-intrusion aux ateliers municipaux et au Resto du Cœur pour 3 972 euros de travaux, un taux de 40% et 1 589 euros de subvention. Voilà les trois demandes pour la programmation des ETR que nous demandons à l'État. Et ça sera examiné dans une commission avec Madame la Préfète, avec différents élus qui sont présents. On a des parlementaires, on a des présidents de communautés de communes, des maires, et chacun se positionne sur ses demandes. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces travaux qui seront à faire et subventionnés et sur la demande de subvention? Bonsoir Françoise. Il n'y a pas de commentaires? Je peux mettre aux voix. Qui est pour? Abstention? Contre? Il n'y en a pas. Ben, je vous remercie. Alors, nous avons aussi une demande de subvention à l'État dans la catégorie dotation de soutien à l'investissement local, ou la DSIL. Ça concerne des travaux particuliers. On a, quand on fait cette demande de subvention, des chapitres sur lesquels il faut s'appuyer et sur lesquels on peut demander. Et donc là, on a, cette année, ça tourne énormément les demandes sur la rénovation énergétique. Et nous avons un dossier sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Vous savez, on a travaillé dessus, on a travaillé avec le SE60, on a une commission qui a travaillé dessus. Et donc, on souhaite déposer ce dossier au niveau de la DSIL, un dossier qui fait 228 513 euros. On a mis le taux le plus haut, 80%. Après, la commission décide si c'est 80, si c'est... On ne peut pas plus. Donc, voilà. Et donc, ça serait une subvention potentielle de 182 810 euros. Demander à la DSIL. C'est pareil, c'est une commission dans laquelle siège l'État, donc la préfète, et des membres élus aussi qui siègent dedans. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de subvention? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Abstention? Contre? Mais tout le monde avait levé son doigt, mais il faut quand même demander.
une demande de subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Alors, c'est surtout, voilà, ça concerne des éléments de sécurité dans cette demande. Et cette demande concerne les caméras piétons. Vous savez qu'on a, décidé en commission d'équiper nos 4 policiers municipaux de petites caméras sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour prouver qu'elles sont qu'ils font très bien leur travail ou aussi dissuader des fois peut-être des gens qui seraient un petit peu énervés de se faire contrôler ou de se faire arrêter, de rester beaucoup plus calme. Et puis, donc des caméras piétons, il y en a pour 3 634 €. Et puis, l'extension et la modernisation du réseau de vidéoprotection. Alors, tous les ans, nous améliorons notre système de vidéosurveillance, protection. Et donc là, il y en aurait pour 36 396,71 €. Et nous demandons un taux de financement financement à 80% pour ces deux projets. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Abstention? Contre? Je ne vois pas. Merci. Demande de subvention au Conseil départemental de l'Oise. Donc ça, c'est avec nos conseillers départementaux, qui sont Nicole Cordier et France Desmet. Nous leur avons fait parvenir ces dossiers, mais il faut passer une délibération pour officialiser cette demande. Donc il y a 4 dossiers. La requalification du cœur de ville, des montants estimés à un peu plus d'un million. La création d'une aire de jeu pour les 2-12 ans, c'est la phase numéro 2, 70 994 €. La création, la rénovation, la normalisation des aires sportives de loisirs, c'est le troisième dossier, pour 129 020. Et puis l'acquisition d'un logiciel de gestion de la médiathèque Orphée, pour 1 285 €. Tous ces dossiers-là, nous les avons vus en commission, on les a détaillés quand on en a discuté. Et donc, au département, nous avons un taux unique qui est fait calculé en fonction de divers critères par le département. Et nous sommes à 31% de taux de subvention pour ces dossiers. Donc, je vous présente cette programmation. Alors, bien sûr, c'est une programmation. Hein, c'est pas sûr qu'on ait tous ces dossiers-là. Je pense que si on n'a pas les subventions à un moment, on attendra un petit peu. Voilà, c'est chez nous, il y a quelques dossiers qui doivent aussi être subventionnés pour pouvoir être financés. Et donc, on a ces 4 dossiers qui sont présentés et on attendra les différentes commissions permanentes du département, puisque ça peut passer, je sais qu'ils en ont une au mois de mars, mais c'est étalé sur toute l'année. Donc, on pourrait avoir peut-être une satisfaction pour un dossier là, un dossier plus tard. Donc, voilà. Mais à partir du moment où on a déposé, les dossiers sont enregistrés et validés. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande au département? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Abstention? Contre? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Demande de subvention au Conseil régional des Hauts-de-France. Alors, dans le cadre des aides régionales, nous pouvons prétendre à une subvention pour les équipements sportifs de proximité. Nous avons discuté en commission la possossibilité de faire 2 cours de padel. Vous vous souvenez, voilà, c'est un jeu de raquettes, j'allais dire pour retraités, non, mais qui est peut-être moins violent que le tennis, où le terrain est moins grand, donc on a peut-être moins à courir. Et donc, il y a 2 cours de padel qui pourraient être installés sur le premier cours près du lavoir, qui est aujourd'hui en très mauvais état et qu'il faudrait de toute manière rénover. Et mettre une diversité dans le jeu de raquettes, c'est peut-être pas mal. Et donc, vous avez souhaité
présenter ce dossier de deux cours de padel pour 84 400 euros, avec un taux de subvention à 30%, ce qui nous ferait 25 320 euros de subvention. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Alors, si on a cette subvention, si on peut faire le dossier rapidement, je demanderai à deux, trois élus de faire une démonstration pour ceux qui étaient les plus à même à vouloir... N'est-ce pas, Dominique ? Ouais. Voilà, je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Encore une demande de subvention, mais là, au sein de... pour la Caisse d'allocation familiale de l'Oise. Vous savez que le relais d'assistance maternelle qui se trouve, Jean-Pierre, qui est le président du centre social, le relais d'assistance maternelle se trouve dans le cadre du centre social, mais qui aujourd'hui a des pièces qui sont toutes petites et a besoin d'avoir un peu plus d'espace. Donc on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire, et ce lieu d'accueil sera à l'espace Bérégovois, rue de l'Église maintenant. Donc, par contre, il y a un peu de réglementation due à l'accueil des mamans et des enfants dans le cadre du relais d'assistance maternelle. On nous demande de mettre un système d'interphone, ce qui est logique, hein, pour ne pas laisser rentrer n'importe qui. La CAF peut nous aider à hauteur de 40%. Donc, nous allons faire cette demande de subvention à la CAF. Pour ces appareils valent 1954,58 €, un taux de 40%, et on sollicite 782 euros de subvention de la CAF. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de subvention ? Il n'y en a pas ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Merci. Demande de subvention. Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'était... on faisait notre marché de subvention. Demande de subvention à la communauté de communes de l'Oise-Picarde. La communauté de communes de l'Oise-Picarde a, depuis quelques années, aide à l'entretien du petit patrimoine, d'une manière forfaitaire, et une fois dans l'année pour une commune. Une commune ne peut pas demander plusieurs fois. Donc... on a le buste d'Hippolyte Bayard, pour ceux qui sont passés tout près pour le voir. Il commence à être à rénover, il commence à être vraiment sale sur le bas, ça a coulé, c'est fort noir. Il y a la pierre qu'il faut reprendre, il y a le buste en lui-même aussi à restaurer. Et donc nous avons fait faire un devis de restauration de la stèle et du buste. Il y en a pour 4 983 €. Et nous demandons à la communauté de communes une subvention forfaitaire, sur laquelle on a le droit, de 1 500 euros. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de subvention ? Il n'y en a pas ? Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Je n'en vois pas, merci. Alors, ça c'est divers participations pour les entretiens de chemins ruraux. Là, Jean-Pierre est ici. Les agriculteurs, nous sommes deux là. J'ai rencontré des gens de Saint-Louis et je parlais des chemins. Saint-Louis, c'est l'usine à Rouen qui transforme les betteraves pour faire du sucre. Et donc, je parlais avec ces gens-là et je dis bon. Oui, les chemins, il faut qu'on les entretienne. Quand les camions vont passer sur les chemins, cette personne m'a dit, bah, écoutez, je ne vous garantis rien, mais faites une demande de subvention, de participation de l'entreprise Saint-Louis Sucre pour la rénovation de vos chemins. Cette année, nous avons eu, on a récupéré du gratis de route qui a coûté un petit peu d'argent. Et donc, on s'est dit que sur cette somme qui avait... servi pour refaire des chemins, un chemin rural, on ferait une demande de subvention. Donc elle m'a dit, ben faites-moi un courrier avec votre demande et votre délibération. Donc, fourniture et mise en place, et puis réfection et grattage et préparation, on en a eu pour 35 940 euros. Donc on est,
je vous demande d'accepter cette demande à Saint-Louis. Alors, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas, mais si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Et donc, qu'on demande à Saint-Louis une participation sur cette somme de grattage qui a servi à entretenir nos chemins ruraux pour que les camions puissent passer ou lorsqu'ils vont chercher les silos de betteraves. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus ? Il n'y en a pas ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Alors, là, c'est... Alors, on en a fini pour les subventions dans un premier temps. Et là, c'est le point numéro 10. C'est une convention relative au suivi des consommations énergétiques et des programmes d'action associés sur le patrimoine communal avec le SE60, le syndicat d'énergie de l'Oise. Donc, on a une convention à signer. Bien sûr, le SE60 réalise des diagnostics. Il nous suit aussi dans nos préconisations et pour réaliser nos économies d'énergie. Les projets avec le SE60 nécessitent cette convention et aussi une participation forfaitaire pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et donc le montant est de 5 000 euros. Donc il est demandé de valider le projet de convention, de valider bien sûr le montant que nous aurons à rémunérer avec le SE60. Et j'espère et je suis sûr que puisqu'on a déjà Eric, tu peux peut-être en dire deux mots là-dessus, mais on a déjà travaillé avec le SE60, ils ont déjà fait un travail important. Et si on peut continuer à travailler dans ce sens pour qu'on puisse maîtriser et suivre nos consommations énergétiques, je pense que c'est fort intéressant pour la commune. Tu veux dire un mot, Eric ? Oui, donc le SE60 a réalisé un diagnostic de tous les bâtiments communaux. C'est sur ce diagnostic que je me suis appuyé pour faire la demande de subvention qu'on a votée tout à l'heure. Le SE60, en collaboration avec la commission développement durable, va étudier les différentes possibilités de rénovation, de changement de chaudière ou des choses comme ça, dans un plan pluriannuel. Tous les ans, on va faire une programmation de travaux. Donc cette convention, c'est vrai que ça coûte 5 000 euros par an sur 6 ans, mais ça apporte aussi plein d'autres choses. On aura aussi des subventions de la part du SE60. Voilà. Donc c'est une collaboration qui est vraiment importante à avoir avec le SE. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus avec le SE ? Bon, c'est un syndicat qui apporte beaucoup de conseils à l'ensemble des collectivités. Hein. Ils travaillent dans toute l'Oise, enfin dans une grande partie de l'Oise, pas toute l'Oise. Et ils apportent pas mal de conseils. Alors, avec cette convention, donc, il faut la signer. Et en même temps, il faut nommer un référent élu et un référent technique. Le référent technique, je pense que c'est M. Morin qui sera le référent technique. Et le référent élu, j'avais pensé à Eric qui s'occupe de tout ce qui est énergie, à moins qu'il y ait une volonté de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on ferait un vote. Mais est-ce qu'il y a des... Eric, ça te convient ? Bon. Donc je signe, vous m'autorisez à signer cette convention et à nommer Eric Dara comme référent élu et M. Morin comme référent technique. Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Alors là, c'est un appel à projet du SE60 avec soutien à la rénovation énergétique performante des bâtiments communaux. Le changement climatique, la rénovation énergétique des bâtiments est l'un des gisements importants de réduction des consommations et donc aussi d'économie d'énergie et économie financière aussi.
Ça amène aussi beaucoup de bienfaits pour l'ensemble des usagers et de la population. Toutefois, atteindre ce haut niveau de performance énergétique nécessite souvent des investissements importants. Et le SE60 soutient et accompagne les collectivités dans la réalisation de ces rénovations énergétiques. Et donc, une participation financière sur le montant des travaux énergétiques, et le SE60 accompagnera aussi d'une manière technique le projet. Pour bénéficier de cette subvention, les communes doivent au préalable adhérer au suivi énergétique que propose le SE60. Et cet accompagnement permet de co-construire ensemble un projet de rénovation et optimiser dès le début en profitant des conseils techniques du SE60. Nous avons forcément beaucoup de projets sur la commune. Je mets aux voix cet appel à projet. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Je n'en vois pas. Ah, ça tombe bien, on est juste. C'est le ciné rural. On est dans la salle du ciné rural. Alors, le ciné rural, ça fait des années et des années qu'il intervient sur Breteuil. Et c'est je crois, et c'est pas je crois, j'en suis sûr. Breteuil est une des communes où il y a le plus de participants au ciné rural. C'est dans cette salle où les gens viennent régulièrement. Malheureusement, ça a été suspendu depuis un certain temps. J'espère bien qu'on va pouvoir vivement reprendre notre vie associative, conviviale. Mais bon, ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc, ciné rural a adressé un courrier à l'ensemble des communes qui sont adhérentes. En disant que, à cause de la crise, il proposait de compenser les séances qui ont été annulées pendant 2020, soit par une remise de 25% sur les cotisations 2021, soit par une séance publique gratuite. Voilà. Donc, nous sommes dans la catégorie D, c'est-à-dire 500 euros, plus de 18 déplacements maximum qui sont prévus. Donc, la convention, l'adhésion. Ce sont des tarifs de la billetterie qui restent inchangés, c'est-à-dire 4 euros en tarif plein et 3 euros en tarif réduit, c'est-à-dire pour les moins de 16 ans, et pour les scolaires, 2,50 euros. Les séances publiques en salle peuvent être programmées uniquement du 4 janvier au 30 juin et du 25 août au 30 novembre et du 27 décembre au 30 décembre. Tout au long de l'année, en juillet, août et décembre, des séances pourront être ajoutées. Ça, c'est possible. Si la commune garantit un minimum de 150 euros, mais bon, ça s'est déjà fait. Hein. Deux communes voisines peuvent s'associer. Ça, c'est dans le règlement du... Et les doublettes, deux séances consécutives pour un même déplacement sont possibles aussi, ce qui se fait aussi, ce qui s'est déjà fait aussi ici. Il est donc proposé au Conseil de valider cette remise de 25%. Alors, déjà, est-ce que vous voulez les 25% ou une séance gratuite pour tous les spectateurs ? Qu'est-ce que vous préférez, puisqu'on a le choix ? Les moins 25%? D'accord. Donc, valider la remise de 25%. 18 déplacements pour un coût annuel de 500 euros, puisque c'est notre commune qui correspond à cette tranche. Et le cas échéant, autoriser le maire à signer tous les documents qui se rapportent à cette convention. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le ciné rural qu'on espère revoir rapidement dans notre commune ? Il n'y a pas de commentaires ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Alors, là, c'est une mise à disposition de personnel avec le centre socio-culturel Michel Joubert. Donc, on passe une convention comme on passe régulièrement pour le périscolaire. Oui, c'est pour le périscolaire du midi. Là, voilà. Et l'animation. Donc, on passe une convention avec le centre social.
Et on, dans ce cadre-là, je vous demande de valider le principe de cette mise à disposition. Donc, la personne sera mise à disposition de la commune et sera facturée, bien sûr, à la commune. Et voilà. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ? C'est un besoin, en plus avec les gestes barrières que nous devons respecter, c'est un besoin d'avoir aussi du personnel presque en plus pour pouvoir encadrer les enfants. Et pendant le temps de midi, ce n'est pas toujours facile. Et l'animation, ce n'est pas toujours facile. Et donc, je remercie le centre social de la coopération que nous avons ensemble depuis de longues années. A contrario, nous soutenons aussi largement le centre social. Mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie de notre commune et de l'intérêt de nos habitants. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette convention ? Non ? Jean-Pierre, en tant que président, tu veux dire quelque chose sur cette... Attends, t'as un micro. L'animateur qui sera mis au service de la ville est titularisé du BAFA. La facturation de ses horaires seront répertoriés sur la ville, bien sûr. Le problème se pose, est-ce que le repas, on devra la ville va nous le facturer ? Il y a l'animateur le midi. Oh, c'est une grosse question. Bon, je pense qu'on peut le prendre quand même. Ça, il faut se retourner vers Madame Budget. Mais non, mais bon, ça fera partie du service rendu. Du service rendu. Je ne sais pas, on pourra peut-être le rajouter dans la convention, monsieur. Bordeaux. J'ai vu la convention, il figure, le chapitre figure cela dans la convention. Vous avez bien fait de demander, monsieur le président. Non, c'est parce que d'ordinaire, vous assuriez le repas. D'accord, on va assurer le repas. Ok, merci. Voilà. Il y a d'autres commentaires ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre, non participation au vote, Jean-Pierre ? D'accord. Alors, nous avons à créer aussi des postes en parcours emploi compétences. Alors, c'est tous les contrats qui, depuis de nombreuses années, changent de nom tout le temps. Mais nous avons maintenant des parcours emploi compétences. Et. Nous souhaitons aussi, pour encadrer au restaurant scolaire, compte tenu de l'étalement de plusieurs services, le besoin d'avoir des personnes supplémentaires, avoir créé deux postes de PEC, comme on dit, pour l'entretien et la restauration scolaire. La durée de ces contrats est une durée d'un an, 12 mois, et pour 20 heures hebdomadaires. La rémunération se fait sur la base du SMIC. Et cette année, nous avons la participation de l'État qui vient compenser 80% du salaire. Donc, c'est une aide importante. On s'était toujours connu d'avoir une aide de l'État, mais là, l'État a augmenté un petit peu sa participation et 80%, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette création de poste et cette rémunération compensée à 80% par l'État ? Il n'y a pas de commentaires ? Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Contre ? Je n'en vois pas. Alors, la gendarmerie de Breteuil a depuis un certain temps... La volonté de monter un projet école a rencontré les enseignants de CM1, CM2 et prévoit de faire une communication et aussi une initiation à la citoyenneté dans le cadre de leur fonction de gendarme, mais aussi dans le cadre de l'école. C'est une intervention qui dure une heure. Dans lequel ils vont donner un petit livret qui explique
comment se passe la sécurité et la citoyenneté. Il y a un petit cadeau qui est prévu aussi à l'effigie de la gendarmerie, bien sûr. Et donc, ils ont quelques documents à faire. Ils ont besoin de 4 000 euros parce qu'ils n'ont pas les fonds. Le budget de la gendarmerie n'a pas prévu de donner ces fonds de 4 000 euros. Et donc, ils font appel à l'ensemble des communes, parce qu'ils vont tourner dans toutes les communes du secteur. Et ils nous font une demande d'un don, ils appellent ça un don, ou une subvention, je ne sais pas comment on va l'appeler, de 100 euros. Je pense que voilà, c'est raisonnable. Ils ont créé une association pour ça, qui s'appelle les Amis de la Compagnie de Gendarmerie de Beauvais, parce que bien sûr qu'il faut qu'ils aient un support associatif pour pouvoir bénéficier de subventions. Et cette association va regrouper les dons et vont pouvoir collecter les 4 000 euros et pouvoir faire leur projet école. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? Ah, pas ? Philippe, je demanderai, est-ce que tu suives un peu ça ? Ça fait partie de ta fonction de responsable de la citoyenneté. Il faudra que tu te rapproches un petit peu de la gendarmerie et voir un petit peu comment on peut aussi les accompagner. Je mets aux voix. Qui est pour ? Abstention contre ? Il n'y en a pas ? Merci. Ah. Je vais vous demander de m'autoriser à signer une convention d'occupation. Vous savez que l'hôpital de Clermont, le CHI comme on dit, est depuis très longtemps sur Breteuil et apporte dans le cadre de son centre médico-psychologique pour enfants et adolescents et adultes aussi, qui apporte des soins à l'ensemble de notre population de Breteuil, mais aussi bien plus élargie puisqu'il couvre largement le secteur. Ils sont déjà sur Breteuil, dans une maison. Mais bien sûr, vu le nombre de patients qu'ils ont à accueillir, cette maison est trop petite. Et donc, ils nous ont demandé de pouvoir louer la propriété au 43 rue de Paris. C'est la propriété qui nous servait de gîte un moment. Il a servi aussi, en attente de la maison de santé, de loger des médecins en bas pour pouvoir faire leur consultation. Et donc, ils ont besoin de la totalité de cette maison. Et donc, on s'est entendu à partir du mois d'avril. 1er avril. À partir du 1er avril. Ah oui, c'est marqué. À partir du 1er avril, pour une durée de 9 ans, ils souhaitent louer cette maison. La location, on s'est mis d'accord sur la location, monsieur Bordeaux. Ils paieront tous les mois ou ils paieront comment ? Au trimestre ? D'accord, donc à hauteur de 50 000 euros par an. Donc voilà, ils paieront tous les trimestres à hauteur de, sur une année, ils ont 50 000 euros de location à avoir. Et donc tous les trimestres, ils nous paieront. Est-ce que vous avez des commentaires sur... vous voyez bien la maison rue de Paris, c'est là où, à côté des tennis, là. Actuellement, elle est occupée par deux locataires, Jackie. Deux locataires que nous relogeons. Tu peux en dire deux. Enfin, je vais déjà mettre au voix ça. Alors, est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention avec le CHI ? Abstention ? Contre ? Il n'y en a pas. Jackie, tu peux dire un petit mot sur les locataires qui sont en place et sur lesquels nous avons retrouvé la possibilité de les loger. Alors, il y avait un logement occupé par le chirurgien dentiste, le docteur Dacier, que nous relongeons au 12 rue Tassard. Et le deuxième appartement, il était loué à l'IMB. Qui a rendu le local libre. Voilà.
D'accord. Donc là, les services municipaux, enfin les services techniques sont en train de vider les appartements pour le rendre libre au 1er avril. D'accord. Bon, ben, écoute, très bien. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Virginie, attends, tu vas avoir le micro peut-être. Madame Machu. Est-ce que ça va engendrer des travaux ? Non, il n'y a pas de travaux à faire. Peut-être un petit coup de peinture quelque part là-haut, non ? Même pas ? Non ? Oui, il y a un peu de retouche, mais il n'y a pas de transformation à faire. Il n'y a pas de cloison à bouger ou d'installation supplémentaire. Il y a d'autres questions sur le... Oui ? Johan ? C'est pourquoi ? C'est pour une création d'activité ou changement de locaux ou... Non, le CHI avait déjà un local sur Breteuil qui louait un particulier. D'accord. Il y a combien de personnes ? Il y a une quinzaine de personnes. D'accord. Travaillent dans ce CHI, dans ce centre médical. Et donc, ils étaient à l'étroit. De plus en plus d'enfants ont besoin de cet apport. Et donc, ils cherchaient à un local. OK. Ils avaient même pensé, ils avaient besoin d'un local très rapidement. Ils ont pensé, dans le cadre de la reconstruction de la CEGEC rue de Paris, oui. Ils avaient pensé à louer tout le bas. Mais bon, le permis de construire n'est pas encore déposé. Donc il y a encore un petit peu à attendre, et là ils étaient trop courts, et ils ont trouvé que cette maison pouvait très bien convenir avec pas mal de sécurité pour les enfants, puisqu'elle est en retrait, ça peut être fermé, et donc les voitures, les ambulances ou les taxis qui viennent amener les patients peuvent manœuvrer correctement et ressortir de la propriété. Par contre, du coup, au niveau des parkings, c'est pas là où va y avoir aussi le nouveau parc de jeux ? Du coup, le parking sera en commun, non ? Non, où il y a le nouveau... le parc de jeux sera là, oui, effectivement. Oui. Mais le parking ne doit pas servir pour le parc de jeux. Et eux ne vont pas utiliser le parking tout le temps. C'est le parking qui se trouve à l'intérieur, c'est un peu occasionnel. Et il y a le grand parking du stade qui est juste à côté, il y a 30 mètres. Oui. Donc il y a 30 mètres, on leur a dit déjà ils peuvent pas mettre leurs 15 voitures s'ils viennent à 15, mais on leur a dit que le parking c'était à côté, c'était sur le parking du stade. Donc ils ont un parking commun avec l'IMB entre guillemets qu'ils utilisent aussi. Très bien, merci. Parking, il va juste être utilisé, celui qui est devant, pour déposer l'enfant, parce qu'en fin de compte, c'est un taxi qui dépose l'enfant pour son soin. Il dépose l'enfant à proximité, donc il ne peut pas se garer sur le parking. Non. Mais c'est juste un dépôt, en fin de compte, c'est un dépose minute. D'autres questions là-dessus ? Non ? On a voté ? Oui, oui, bonjour. Une dernière délibération, c'est ça ? Le point 17. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes concernant Oishabitat. Et comme nous travaillons avec Oishabitat, nous avons l'obligation de le mettre à connaissance de tout le monde. Bon, alors il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes. Et voilà, si vous l'avez, si vous voulez le lire... Regardez, il n'y a rien de spécial, mais tout est épluché, tout est... Vous l'avez reçu avec la convocation ? Bon, alors, vous l'avez lu ? Regardez. Voilà. C'est un rapport de la Chambre régionale des comptes, comme toute collectivité ou association peut avoir. C'est juste un porté à connaissance, hein, je crois. Il n'y a pas de vote là-dessus.
Il y a un vote ? Oui ? Bon, ah oui, c'est un vote qui atteste que je voulais donner à porter à connaissance. Donc, ce n'est pas un vote qui juge le rapport, mais c'est un vote qui dit que vous l'avez eu. Donc, je mets aux voix. Qui est pour ? Enfin, qui atteste que c'est d'accord ? Il n'y a pas d'opposition ? Il n'y a pas de contre ? Non ? Non ? Voilà. L'EHPAD de Breteuil. Ah oui, donc là, c'est important. Vous savez, l'EHPAD de Breteuil, c'est... Là, on a François qui est ici. Il est où, François ? Il est là-bas derrière. C'est un projet qui date depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, nous cherchons à pouvoir moderniser cet EHPAD pour le bien des résidents, mais aussi pour le bien des gens qui y travaillent, du personnel, parce que c'est un EHPAD qui a été construit dans les années 80, qui a été construit à l'époque avec les normes qui existaient, qui ne sont plus du tout les mêmes. Avec aussi, dans ces années-là, il y avait une demande de chambres doubles, ce qui aujourd'hui, maintenant, François, les chambres doubles, plus grand monde, lorsqu'on a un certain âge, on préfère être tout seul, tranquille. Donc, cet EHPAD ne correspond plus aux besoins de nos personnes âgées. Et puis, ne répond pas non plus à la qualité de travail qui est faite dans cet EHPAD, mais qui demande une énergie et une fatigue importante. Donc, nous sommes en négociation depuis un certain temps, et avec Madame Beaumont, la directrice, nous avançons... doucement, mais sûrement, puisque l'EHPAD comprend 65 lits. Reconstruire un EHPAD, ça coûte cher. Vous verrez, j'ai quelques commentaires après. Et il faut avoir l'accord du département qui est partie prenante et de l'ARS. Et là, nous avons les deux qui sont maintenant à peu près d'accord sur cette construction d'EHPAD. Il avait été envisagé dans un premier temps, lorsque la maison de retraite a acheté le terrain d'à côté, de pouvoir reconstruire sur place, ce qui était une bonne idée. L'ARS ne souhaite pas, ni le département, ne souhaite pas qu'il y ait une reconstruction sur place, parce que une rénovation coûte d'abord pratiquement aussi cher qu'une construction. Avoir un bâtiment comme il le souhaitait. Donc, il a fallu qu'on recherche un autre terrain. Cet autre terrain, nous, la commune de Breteuil, nous avons un terrain du côté du Bel Air, là-haut, à côté du quartier qui vient de se construire, la rue Martin, par là, juste derrière Tendance Carrelage et en repartant un peu sur la plaine. On a 2 hectares, 20 000 mètres carrés, un peu plus de 20 000 mètres carrés, ce qui correspond aux besoins de la reconstruction d'un établissement comme celui-ci, d'autant plus que nous avons, avec Madame Beaumont, réussi à avoir l'accord de principe de bénéficier de 15 lits supplémentaires. Donc nous avions 65 lits, nous allons passer à 80 lits. Voilà, c'est comme tout, il faut quand même une taille conséquente pour amortir le coût, hein, pour pouvoir le répartir sur un peu plus de lits qui existent. Et donc, ce terrain, ce terrain convient à la maison de retraite, convient à l'ARS et convient au département. Les dernières réunions que Mme Beaumont a eues à ce sujet, pour l'instant, confirme ce choix. Pour la petite histoire, la maison de retraite, l'EHPAD, est propriétaire du parking en face de l'EHPAD. Là, ce que vous avez ici, là où les gens se garent, la maison de retraite est propriétaire du parking. Et donc, on a convenu en conseil d'administration où Françoise siège, Dominique aussi, et puis des représentants des résidents, du personnel soignant, on a convenu qu'il serait bien de faire un,
vendre le terrain pour 1 euro et racheter l'autre terrain pour 1 euro. On n'a pas le droit de faire d'échange, mais c'est deux ventes qui pourraient se faire. Donc, je vous passe cette info pour avoir un accord de principe aujourd'hui. Là, il n'y a encore rien de fait. Mais pour avancer le projet, le département et l'ARS se disent, mais est-ce que vous avez un terrain pour reconstruire? Donc, si on n'a pas un accord de principe pour ce terrain, le projet ne va pas avancer. D'autant plus qu'on a la chance quand même que sur le département, il y a deux EHPAD importants à reconstruire et qui sont dans les tuyaux. C'est l'EHPAD de Méru et l'EHPAD de Breteuil. Tout le monde est dans les starting blocks, entre guillemets, pour pouvoir démarrer ça. Donc, il leur faut un accord de principe de la commune, comme quoi il y a un accord de céder ces 20 000 mètres carrés là-haut. Vous avez à l'écran la localisation du terrain qui serait mis à disposition. C'est celui-là, voilà, en forme de L. Alors, ils ont déjà vu, là, pour mettre les voitures, ça serait la partie en long. Et puis, les pattes seraient dans le rectangle, là-bas, un peu plus loin. Et puis la partie échangée, c'est le plus. Ce terrain est classé en 1AUM, c'est-à-dire que l'on peut construire des établissements publics ou d'intérêt public sur ce terrain. Et puis, est-ce qu'on a la photo du parking ici, non? Non, on l'a pas. Bon, vous connaissez le parking, là. Donc, c'est ce parking qui, à l'époque, c'était le maire, c'était Jacques Lefebvre, c'est ça? Donc, ça remonte en quelle année? 76. Et il avait été fait un bail amphithéotique. Tu devais être conseiller, Jean-Pierre? Ça te rajeunit, hein? Donc, en 76, un bail amphithéotique existait et puis il a été supprimé. Il faut qu'on retrouve exactement les délibérations qui confirment ça, mais enfin, de toute manière, le principe, c'est faire cet échange, pouvoir donner, mettre à disposition un terrain de 20 000 mètres carrés pour pouvoir reconstruire pour 80 lits, pour que nos anciens, nos aînés puissent être accueillis dans une résidence tout à fait confortable et aux normes de maintenant. Je pense, par exemple, on peut plus y aller en ce moment, mais quand on allait visiter nos aînés, il n'y a pas de douche partout, dans toutes les chambres, tout ça. Pardon. Voilà. Il faut qu'on fasse un établissement qui corresponde à un vrai établissement pour nos personnes âgées. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, Eric? Que va devenir l'EHPAD actuel? Alors, bonne question. L'EHPAD actuel est propriété de la maison de retraite. Bien sûr que Madame Beaumont, en tant que directrice, est en train de chercher à valoriser cet espace pour pouvoir reconstruire de l'autre côté. Parce qu'une construction d'un EHPAD, c'est 13 millions d'euros à peu près, hein. C'est pas rien. Donc, il faudra bien apporter aussi de l'eau au moulin du département et de l'ARS. Il y aura une réflexion là-dessus. Je pense